Donc le 15 mai, on va célébrer Jean-Baptiste de la Salle. Jean-Baptiste de la Salle a vécu au XVIIe siècle et il est mort à Rouen au XVIIIe siècle. Il a dédié sa vie aux enfants pauvres. Chaque année, le 15 mai, partout à travers le monde, tous les frères des écoles chrétiennes et les Lassalliens fêtent Saint Jean-Baptiste de la Salle. Partout dans le monde, parce que les œuvres éducatives La Salle sont aujourd'hui présentes dans près de 80 pays des 5 continents. Frères et Lassalliens, parce que les frères œuvrent désormais avec 90 000 laïcs pour accueillir 1 million d'enfants, de jeunes et de familles. Jean-Baptiste de La Salle, enfin, parce que, fondateur il y a 350 ans de cette immense œuvre éducative, il est aussi le saint patron de tous les éducateurs du monde. C'est à La Salle Notre-Dame-de-la-Gare, à Paris, que nous sommes allés demander à des élèves de CM2 et de 5e ce que représentait pour eux ce Jean-Baptiste de La Salle que nous fêtons. Avant que le visiteur provincial de France des frères des écoles chrétiennes, frère Jean-Paul Allette, nous évoque cette fête du fondateur qui nous relie tous aujourd'hui. Il était héritier d'une famille qui gagnait très bien sa vie. Donc il aurait pu faire un travail super par rapport aux autres. Alors que là, il s'est juste fait des écoles chrétiennes pour les enfants pauvres. Tout le monde disait que Jean-Baptiste était fou. Parce qu'il voulait que les enfants pauvres sachent lire, écrire, compter. Les maîtres n'étaient pas du tout compétents. Il a réussi à leur apprendre des choses. Donc petit à petit, ça s'est répandu. Sa méthode de pédagogie. Aujourd'hui, c'est les enseignants qui continuent. C'est ses descendants qui ont repris ses idées et qui ont incité les frères lassalliens à reconstruire d'autres écoles. C'est à peu près comme Coluche. Les Enfoirés, ils ont repris après Coluche. Donc Jean-Baptiste de la Salle, peut-être qu'il avait un groupe lui aussi qu'ils ont repris au fur et à mesure. Par exemple, pour la Salle, c'est un exemple pour tous les éducateurs du monde. Et saint parce que il a consacré sa vie à l'éducation. Il a vécu dans une situation assez précaire puisqu'il a abandonné toute sa famille aisée et tout juste pour faire l'éducation et c'est bien et il a vécu pour ça jusqu'au bout donc voilà c'est pour ça que à mon avis c'est le saint patron des éducateurs. Alors, les autres frères qui ont pris référence de Jean-Baptiste de la Salle pour construire d'autres écoles dans peut-être tout le monde entier. Il s'appelait de la Salle, oui. Donc on a donné ce nom à l'école. C'est comme la tour Eiffel. Il y a Monsieur Eiffel, il s'appelait Eiffel. Bah, on a donné le nom à la tour Eiffel. La Salle Notre-Dame de la Gare n'est plus dirigée par des frères. L'esprit lassallien est toujours là et on continue à suivre son exemple. Ceux qui continuent à gérer cette école, c'est le directeur, les enseignantes. Et voilà, donc... On peut leur dire merci. Chers amis, bonjour. En prononçant ces mots, je pense à tous les adultes des différentes communautés éducatives. Je pense aux écoliers, aux collégiens, aux lycéens et aux étudiants des établissements du réseau lassallien français. Le 15 mai prochain est pour nous une date extrêmement importante. Quand je dis pour nous, ce n'est pas seulement pour la France, mais aussi dans le monde entier, puisque l'ensemble des communautés éducatives, des écoles lassalliennes, vont célébrer la fête de Saint Jean-Baptiste de la Salle. Mais pourquoi parler de Jean-Baptiste de la Salle aujourd'hui? Pourquoi organiser une célébration, une fête au XXIe siècle? En quelque sorte parce que ce prêtre de la ville de Reims, qui a vécu au XVIIe siècle, a réalisé une œuvre tout à fait nouvelle et extraordinaire. C'est un peu comme si une tornade s'abattait sur la ville de Reims, de Paris, de Rouen et de Grenoble, dans un domaine particulier, celui de l'éducation.
Jean-Baptiste a regardé autour de lui. Il a vu des enfants en difficulté, peu instruits, mal éduqués, abandonnés. Et il a rassemblé autour de lui une communauté d'adultes, de maîtres, qu'il a appelés frères, pour donner à ses enfants une instruction, une éducation humaine et chrétienne, et leur permettre d'accéder à la vie sociale avec un métier. Ce bel idéal reste encore aujourd'hui d'une étonnante actualité. Non pas pour refaire exactement ce qu'a fait Jean-Baptiste de La Salle, mais pour trouver la manière aujourd'hui de vivre selon ce qui a été le meilleur de son itinéraire, en quelque sorte le secret de sa vie. Le secret de sa vie, c'est que lui, comme ami du Christ, s'est mis au service d'une jeunesse pauvre et abandonnée. Est-ce que le mot « service » résonne, fait écho en vous ? Sans doute, puisque cette année, et certainement encore dans les mois qui viennent, dans le réseau La Saint-Lien français, notre thème s'organise autour de l'idée de service. « Tu sers ou tu te sers ?» C'est le slogan que nous avons entendu et surtout d'une certaine façon que nous avons voulu expérimenter. Et peut-être que la meilleure façon de fêter Jean-Baptiste de La Salle dans l'amitié, la joie, les chants, la détente, l'humour, c'est un peu comme lui de se mettre ensemble, à la fois jeunes et adultes, au service, en esprit de service, auprès de jeunes ou d'adultes qui auraient besoin de nous. Retenons avec ce mot de service trois autres mots clés de la vie de Jean-Baptiste de La Salle que l'on nous a donné aussi les années précédentes: engagement, fraternité, confiance, service. Que ces quatre mots explose un peu comme le bouquet d'un beau feu d'artifice pour cette fête. Très bonne fête à chacun et à chacune d'entre vous.